Monsieur le directeur de cabinet. Monsieur le ministre sortant, monsieur le secrétaire d'État, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens dans ce ministère. J'ai gardé des amis, j'y ai gardé aussi beaucoup de souvenirs. Une matin, après-midi, pardon, pour me dire, le ministre Lise Kittel, merci. Merci pour avoir servi son pays pendant 16 mois. Nous fait un pile bail ensemble. Et penser qu'on va toujours continuer qu'à aider le pays. Moi, j'ai accepté pour un petit temps très court pour le ministre de l'Intérieur. Nous voulons redynamiser le ministère. Et nous comptons sur chaque monde qui travaille ici, sous éthique, sous puissance de travail, pour que nous baillons un pays qui est plus sûr, où nous sommes capables un pays des fonctionnaires qui au service de la population et à l'amélioration de cette population. Moi, je voulais dire tout que moi choisi un petit peu à la va-vite et m'excuser. Je choisis comme chef de cabinet moi ici de là yon moun qui ont grande expérience de ministère ça. Il était directeur général ministère intérieur et collectivité territoriale. Il était assistant directeur de cabinet moi l'MD ministre et c'est lui n'a plus souvent que moi. N'empêche que préoccupation nous apprêtez pas moins et que accessibilité moins gagne et tout le monde qui a travaillé dans le ministère de l'Intérieur que qu'on aime toujours accessible n'a fait li à travers monsieur Paul Harry Voltaire que me choisi comme chef de cabinet m'a fait un long discours en remettant nos travail en fait que paysan ouais que n'a travaillé pour lui et en avancer pour nous bailler service à tout le monde, quelle que soit origine sociale, yo, mais quelle que soit aussi origine politique. Yo. Et surtout, en fait aux gens, pour que la transition soit faite rapidement, dans l'ordre, et que nous allons dans l'élection, en élection côté peuple qui a choisi librement dirigeant. Yo. Merci beaucoup. En ma qualité de ministre en sortant, je tiens à remercier le Premier ministre Ariel Henry, ainsi que son chef de cabinet et les membres de son gouvernement dont je faisais partie pour la collaboration fructueuse, sincère et franche qu'ils m'ont offerte durant les longs mois au cours desquels j'ai occupé cette fonction. En jetant son dévolu sur ma personne, pour mener la politique du gouvernement en matière de justice et de sécurité, j'ai objectivement pesé la lourde responsabilité qui m'attendait. J'ai rempli mon devoir de servir avec honneur, selon moi-même. J'ai accepté ce poste que je croyais et persiste encore à croire aujourd'hui que mon pays mérite le sacrifice des hommes et des femmes qui se donnent corps et âme dans la dynamique de changer, transformer et inspirer. Madame la ministre entrante, le chantier est complexe et épineux et les ouvriers sont peu nombreux. Cependant, je ne doute une seule seconde de votre culture de femme d'État à mobiliser vos moyens afin d'offrir à notre mère patrie les services d'une des plus dignes de ses filles. Le renforcement des parquets,
la lutte contre la détention préventive prolongée, les conditions de vie difficiles de nos différents centres carcéraux, ajoutés au spectre d'insécurité qui guette nos citoyens, constituent entre autres les principaux défis qui vous attendent. La franche et bonne collaboration entre les ministères de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit se maintenir et se renforcer. J'ai personnellement enclenché certains processus de réforme dans les domaines subventionnés pendant mon passage comme ministre, mais d'autres chantiers restent encore à battre. Je crois fermement que le besoin de changement dans le système judiciaire inspirera vos actions. S'il est dit que la justice élève une nation, nous avons le devoir de nous atteler en tant que citoyennes et citoyens responsables à travailler pour le renforcement de nos institutions, ce pour le bonheur de nos compatriotes. Je m'en voudrais de terminer mon allocution sans remercier du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui m'ont épaulé dans la lourde tâche qui m'avait été confiée, surtout les petits employés du ministère. Maire de la Justice et de la Sécurité publique, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs les représentants des structures politiques de la société civile, chers invités, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'installation qui fait suite à ma nomination comme ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique en remplacement de Maître Berthaud Dorcé qui a été pendant de longs mois mon collègue au gouvernement. Je tiens particulièrement et avec empressement à remercier le Premier ministre Ariel Henry qui a porté son choix sur moi afin d'assurer cet intérim dans l'objectif de continuer, selon ses souhaits, à édifier la crédibilité des pouvoirs publics, particulièrement la justice, dans sa lutte contre l'insécurité, la criminalité et l'impunité. Je remercie chaleureusement Maître Dorcé pour le travail abattu pendant plus d'une année à la tête du ministère. Et je lui souhaite une bonne continuation et du succès dans ses futurs projets personnels et professionnels. Mesdames, Messieurs, la feuille de route qui m'a été confiée par le Premier ministre énonce et précise les principes directeurs pour rétablir la confiance des justiciables et des acteurs du système en la justice. Aussi, il conviendra d'activer les mécanismes pour concevoir, développer et mettre en œuvre un ensemble d'actions cohérentes capables de garantir la sécurité des vies et des biens, ainsi que la distribution d'une justice équitable et qui prend le pari de respecter et de faire respecter les droits des justiciables. Il est évident que je crois en la justice et en ses bienfaits. Mes nouvelles charges m'obligent à m'investir sans compter mon temps dans la protection de toutes les conquêtes civiques et sociales qui sont la base de la gouvernance d'un véritable état de droit. Il faut aussi reconnaître que la justice et la sécurité publique participent à l'entretien du malaise politique actuel. Beaucoup de nos institutions et agences du gouvernement font face à un grave discrédit alimenté à l'excès par l'expression d'une nouvelle forme de démocratie d'opinion sur les médias sociaux. Il nous faut, et c'est nécessaire, réconcilier la société et l'État, empêcher à ce dernier de reculer davantage. L'État n'a pas le droit de déserter le champ de ses obligations et d'ignorer les revendications des observateurs et des acteurs du système de justice et de sécurité publique, ainsi que la population. Mesdames et messieurs, je suis convaincue qu'en acceptant la responsabilité d'assurer l'intérim au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je m'engage à travailler pour relever un défi de grande ampleur qui exige un surcroît de rigueur et de volonté. Néanmoins, il faut absolument accroître l'efficacité publique en faisant de manière systématique la promotion de l'engagement de l'État. Il est temps que le système judiciaire s'attaque au phénomène honteux et embarrassant
de la détention préventive prolongée. Cela fait des années que nous essayons. Je remercie tous mes prédécesseurs. Je remercie Maître Berthaud d'Orsay en particulier parce qu'ils y ont mis de la volonté. Mais vous savez, c'est quelquefois compliqué et il faut l'addition de plusieurs volontés pour arriver au résultat que nous appelons tous de nos voeux. Le gouvernement et particulièrement le Premier ministre a conscience qu'il s'agit d'une épine au pied de la justice et qu'il faut mobiliser l'ensemble des acteurs du système pour humaniser les pratiques et faire triompher la loi. Le moins que je puisse dire est que la détention préventive prolongée est une répression injuste et aveugle sur des citoyens et des citoyennes qui croupissent en prison sans avoir été jugés et sans moyen de défendre leur cause auprès des autorités qui ont la noble responsabilité de rendre justice de manière saine et équitable. Cette injustice, si elle n'est pas réparée, continuera de produire des impacts dévastateurs sur la société. Combien d'enfants grandissent sans la présence et l'affection d'un parent gardé en prison dans l'attente d'une décision de justice? Combien d'acteurs et de professionnels du droit prennent du plaisir pour des raisons qui ne sont pas toujours honnêtes dans le fait de briser des familles et des rêves d'individus victimes de la justice de leur propre pays? Il est clair que l'État, à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, compte s'attaquer sans tergiversation à ce problème. La délinquance juvénile est une conséquence du laxisme et du désengagement de la justice également. Mesdames et messieurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, conformément à la feuille de route du gouvernement, va rapidement mettre autour d'une table toutes les parties prenantes du système pour trouver les moyens légaux, intellectuels, humains et matériels en vue d'agir comme un accélérateur de l'obligatoire et bon fonctionnement des tribunaux. Il faut au plus vite repenser le fonctionnement des tribunaux, des structures essentielles à l'état de droit. Et je remercie déjà tous les acteurs qui travaillent dans le champ des droits humains de m'avoir envoyé plein de documents par WhatsApp pour attirer mon attention sur plein de sujets. J'aurai certainement l'occasion de vous rencontrer, de discuter avec vous et de prendre les meilleures décisions pour nous tous, pour nous toutes, pour la République. Le ministère de la Justice estime que l'insécurité de la justice, que l'insécurité en Haïti est insoutenable et qu'aucun effort ne doit être économisé pour faire revenir la paix et la tranquillité dans tous les foyers et les rues de la République. Quoi qu'il en soit, nous avons tous pris conscience de l'acuité du problème. Et le mieux à faire est de nous mettre immédiatement au travail afin de finir avec cette perception d'immobilisme et de laxisme structurel de l'État. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, avec votre engagement et votre loyauté, je suis convaincue que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pourra exercer sa noble mission d'institution responsable la plus proche possible des populations qui ont besoin d'être mises en confiance par actions quotidiennes visant à les protéger des abus, de la violence, de l'insécurité et de tous les accros à la démocratie et au vivre ensemble. Nous voulons travailler pour entretenir l'espoir d'une nation forte et unie contre toutes les adversités. Je vous remercie d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie d'installation de la ministre intérimaire que je suis. Un monde qui aime parler, mais c'est un monde qui est toujours campé derrière les doigts, mais qui toujours travaille très dur pour que Eric Jean-Baptiste atteigne l'objectif. Atteindre un rêve li, que lui était fixé. Rêve Éric Jean-Baptiste, pas seulement rêve Éric Jean-Baptiste, rêve Éric Jean-Baptiste devient rêve femme. Objectif Éric Jean-Baptiste, c'est objectif femme. Jodia, malheureusement, il a lâché le nom même. Ma prière, parce que c'est ça que je dois faire, que les joignes justice,
que les gens qui font ça, ils passent à la caisse. Parce que je pense que c'est nécessaire, il n'y a pas qu'à toute journée que l'enquête se pose. Enquête ça, il doit être obligé à aboutir. Éric Thérèse m'a dit, Haïti, si vous faites un pôle, vous avez le marqué Haïti. Si vous cassez les zones, dans moins li après le marqué Haïti. Éric te gon l'amour charnel pour pays. Li te remè drapol, li te remè haïtien, li te remè tessa, parce que c'est là li bon Dieu te choisi pour li prendre naissance. Li te vle changement, pas pour li, parce que nous ka dit que Éric Jean-Baptiste son moun qui te réussi. Il te fait toute saleté doit faire pour tête lui. Mais il t'a toujours dit si lumière la caillou a éclairé et que reste population en fait noir. Ça pas les mal de ou. Donc faut qu'il arranger pour le faire que même Jean la caillou a éclairé que caille chaque grain haïtien éclairé tout. Éric son monde qui te monde tout monde. Éric te moun ki pat moun ni. Éric te paré pour pays a s'il le faut si Lucifer te saute dans l'enfer t'ap chita pour parler avec elle pour dire t'en prie la ke pays a bay peuple haïtien une chance quitte nous respirer quitte nous vivre librement quitte nous travailler parce que le terrain met travail c'est dans ça le quoi. Je dis à yon retiré, je pense que yon fait payer à faire bac au moins 30 ans. Parce que yon a un pile rêve pour nous. Yon a un pile rêve pour les jeunes. Yon a un pile rêve pour partir. Malheureusement, il parle encore. Mais ça, yon a prêché l'amour, union, harmonie. En nous, ouais, si chaque nous, nous sommes capables de garder les gens à côté de nous, comprendre que ces frères nous lient, nous ne pouvons pas voler pour nous mettre sans la tête. Comprendre que l'objectif nous voulait pour nous bien, nous même tous les besoins bien. Comprendre que c'est nous yon qui pouvons bailler l'autre la main pour nous arriver côté que nous voulons arriver. Donc, le monde Jean-Baptiste, pas pour. Tête-li, li pas pour famille seulement, li pas pour moi seulement, et Dieu seul sait combien moi aime. Mais li te pour nous toutes. Alors si nous voulons honorer, c'est courir yon l'autre, aimer yon l'autre, respecter yon l'autre, mais par-dessus tout, valoriser la vie. Valoriser la vie voisine nous. Pas dire ça, pas garder nous. Pas dire ça, c'est problème pas. Parce que nous n'avons un bateau. Pas dire parce que nous n'avons première classe, nous pas couler. Bateau a coulé, nous tout a mouru. Yon après l'autre. Tant et aussi longtemps, nous pas dit que c'est nous tous qui n'avons bateau. Donc c'est nous toutes qui prenons un petit des panneaux pour nous mettre de l'eau qui voulait rentrer à dehors. N'a péri. Si nous ne prenons pas conscience, si nous ne rentrons pas dans l'homme nous, pour nous apprendre que ça nous pas voulait pour nous, que nous ne pouvons pas faire l'autre. Pour nous apprendre à respecter l'autre. Pour nous apprendre, aimer l'autre, aimer pays nous, aimer drapeau nous, respecter l'autre, respecter tête nous, respecter la vie nous, et ramasser dignité nous, pour nous mettre nous tout ensemble, pour nous prendre destin pays nous, dans main nous. Je dis nous merci. Est-ce que nous sommes présents pour nous faire un dernier hommage? Moi souhaite que toute saleté qu'on prêche nous, yo, qu'on y a que li pas là. N'attendez-vous, attendez-vous, revisez-vous, apprenez-vous,
maîtriser et pratiquer. A déroulé dans Pétionville et nous sous place, nous la formé de tout ça qui a passé. Pour nous, votre mercenaire, Madame Laline, mais ne vient pas avec Jean-Baptiste. Vous êtes Jean-Baptiste décampé. Il dit force militaire, papi les sols là. Il dit c'est renforcé, police nationale là. Il dit c'est renforcé. Jean-Baptiste tombé. 24 000 personnes qui t'a travaillé avec Jean-Baptiste, c'est la pauvreté nous la guerre. Je dis à ces bandits de créer plus. Madame Larim, vous ne pouvez pas finir avec Jean-Baptiste ou la guerre dossier sous Timakak. Nous ne pouvons pas dire Timakak, c'est celle, maître Seigneur. Nous ne pouvons pas dire Timakak innocent parce que son esclave mental lié, il y a Galil, quand elle coûte 80 000, 100 000 dollars américains, là on s'est le boyon en pile. Quand elle va même qu'à manger bien. Je dis à un petit peu haïtien. On courit derrière Madame Larim qui met ton ingérence internationale dans le pays. Je tiens à la petite peuple haïtien, après enterrement, manifestation. Après enterrement, manifestation. Après enterrement, manifestation. Après enterrement, manifestation. Je dis à la petite peuple, cité soleil, la saline, tout a tombé babal. Je dis à la clario chaque jour, assassin criminel, il n'y a pas assassiné les clario, c'est toujours victime. Nous-mêmes, nous prenons, micro la presse, nous dénonçons. Nous sommes contre Galine et contre pouvoir Ariel Henry. Benadzi contre grand manger et ni équipe tout grand manger PHTK aujourd'hui a contribué avec SDP pour ban nous Ariel Henry et n'a dit la police là qui va faire job sale là pour pouvoir Ariel là qui va faire job sale pour arrêter en septembre n'a dit quitter Osmila déjà échoué avec André Michel dans job sale là ou même la police maintenant quatre la police ou les journalistes ça pour vous événement c'est protéger pour protéger et protéger pour protéger peuple là c'est pas fini. Monsieur Osmila, Kébéti, Abdou Baou Baldet, Abdou Baou Gaz. Non, ça va faire. Je dis à l'étonne 4 PNH, l'étonne 4 nous. Je dis à l'on la police, ça va jouer la police. C'est le force LB qui a identifié. Et c'est l'LB qui a identifié au PNH. Je dis à l'étonne qui a fait tout ça. Je dis à la police, pas de bagages. Je dis à l'étonne journaliste là, c'est un micro-gré, il n'y a pas de galil, c'est caméral. Il n'y a pas de boule, il n'y a pas de balle tête. Nous avons besoin de l'argent, de la PNH pour protéger mon pays. Saluer la prairie, saluer tous les camarades militants qui présentent dans le cadre d'enterrement de Jean-Baptiste. Que nous-mêmes nous présentons juste pour que nous déposions solidarité envers la famille de Jean-Baptiste. Je dis à système à manger, je dis à l'équipe de pouvoir manger. La petite population, on ne peut pas croiser les bras, nous garder la police, Ariel qui a fâché tuer tout le monde dans le pays. Je dis à nous, capables de faire normal pour que le peuple arrête cette. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière.
Sénateur, vous dites mal à Bebla? Sénateur, vous dites mal à Bebla, sénateur? Sénateur, vous dites mal à Bebla, sénateur? Où est-ce que tout candidat à la présidence, on va voir est-ce que la DCPJ a payé oui, papier pour la télévision. Parce qu'on dit oui, Zach, à ça doit super court, on va voir comme ça. Nous voulons savoir qui est la même, on va combien voler qu'à ce pays-là. Pendant très temps, combien de monde sérieux tout, il est important, parce que Haïti a besoin de personnes physiques qui va à l'intérieur même à la tête de la personne physique, qui va à l'intérieur même personne morale, des personnes morales institutions, à l'époque dans l'État, c'est une personne morale liée. Je veux dire qui est ce qui est honnête, parce que nous avons évité de nous appeler au monde qui est désolé à offrir. Parce que les États-Unis ont besoin au monde qui est santé carrée, qui est en drogue, qui est en blanchiment d'accord, en même temps pour mener dans tout ça. Haïti, bonjour, un projet de société. Nous ne pouvons pas politiser. Merci beaucoup, parce que nous ne pas politiser. Il va vous fiater. Merci beaucoup. Dans toutes les réunions politiques qui ont fait, Ariel Dour est souffert tout là-dedans. Et c'est ça qui fait tout. Chaque fois, peuple a campé pour lui prendre décision. Ariel toujours paraît avec des diversions. Diversions politiques, diversions bandits, diversions gangs. Pour y a gang, yon pas de moutè gaza, pour y a demandé de son lit. Yon même encore ouvre le pot. Yon même encore ouvre le pot. Jodi a sacta de fête. Sacta de fête, journée jodi a là. C'est pour tout peuple haïtien et ton sali. Nous sommes pas Ariel, nous sommes là. Ariel pas qui doit marcher sur le monde. Parce que Ariel pas moun qui doit marcher sur le monde. Pour les quatre marcher sur le monde, ou pas qu'à prendre la marcher sur le monde. Vin sié la famille et Jean-Baptiste pour effort au fait dans la commune Carrefour. Dans tout pays, y a travail au fait déjà. Et vous gardez ouais. Mais qui est-ce qui vient sié là? Moi, nous devons mettre les sous ça. Si vous avez 10 minutes, peuple avant de prendre l'endroit. Si vous avez 10 minutes, peuple avant de prendre l'endroit. Parce que le peuple a décidé. Et c'est un moment reporté pour que la gente vienne avec Ariel. Quel est le parité? C'est ça les familles simplement? Il fait ça parce que les gens ne sont pas de base. Il fait ça parce que les gens ne sont pas de base. Il finit normalement, il finit de garder. Il est quelqu'un qui est de base. Il est de base. Ça va intéresser de parler de Ariel. Parce que Ariel, c'est pour dans son monde. Ariel connaît le baka. À aucun bagage qui ira pour la public. Même maintenant, nous avons tellement Éric et Baptiste que nous venons pour que nous disions, peuple haïtien, nous ne pas de pays encore. Nous pas de la justice. Les États qui achètent les gars, ils ont crasé toutes les institutions, pas de justice. Éric et Baptiste mourit, pas de aucune enquête sérieuse qui a fait le comportement de mourir. Donc, la petite peuple haïtien, Marie Saint-Tino, je dis à nous de continuer à couper. Ariel est capable de dire la fête victoire. Parce que je dis à nous de dans quelques groupes, côté du gaz qui allait. Pour nous-mêmes, ce n'est pas une victoire pour Ariel. Peuple haïtien, ça dit à lui 1300 dollars. Galon lui là, lui 400 dollars. Pour on a parlé là, il y a des gens qui ont mouru. Parce que yo grand coup yo pas venir manger, parce que yo pas ka aller l'hôpital. Donc peuple haïtien, nous croyons que faut nous organiser nous pour que nous fassions soulèvement garçon pas camper pour que nous retirer Ariel dans figi moun. Ça qui moun ils affaire yo. Bon, nous capable dire, je dis est-ce que nous tous capable croiser bras nous quitter pays à la devenir pour ça. Donc Ariel pas ka tuer nous tous. Ariel la police. La police lui fait la police de nous, la police de HTK. Je dis, la police tire les gens pour grand merci. Si nous prenons exemple, dans base 47, 5 jeunes garçons, nous tuons sans que M. Sayo ne parle pas parce qu'on a parlé de la vie chère, parce qu'on a parlé de gaz. Je dis, nous-mêmes, en tant que responsable national, et nous parlons en tant que membre
KTPS, c'est tout à fait normal pour dire pour que nous présentions un terme pour les citoyens de la mairie. La petite peuple haïtien, la petite tout le monde, nous préparons nous 18 novembre pour que nous fassions soulèvement. 18 novembre, c'est à travers toute la République pour que nous préparions nous pour que nous fassions soulèvement, garçon, pas campier. Nous disons vive Haïti, Ariel, pour pas gagner victoire. Pas mesurer des victoires, population en Pablio, population en Potide Koumé. Même, comme moi toujours dit, à bas intervention, vive coopération. Vive coopération la Russie. Vive coopération la Grande Chine. Vive coopération Venezuela. C'est ça que nous dit. Pays ça yo, en termes de développement, nous besoin de coopérer avec nous, mais pas en termes de militaire. Force multinationale qui pouvait tuer le peuple là. Et c'est ça que je demande. Il faut qu'Ariel Henry arrive, démissionne. Peuple haïtien dans 10 départements pays. Dans 147 communes, 570 sections communales, dans 10 départements, doit organiser, mettez Ariel Henry en bas code. Pour qui ça? C'est sous gouvernement Ariel Henry. Il organise. Yo permet pays ça peuple ta pa ka monté li pa ka descendre alors que gen la police nationale qui là nous dit les arrivé pour pays a lever campé pour yo sorti dans la vie chère et que Ariel Henry entendu avec oligar yo programmé avec Bini qui était pour nous là et c'est ça que nous dit Éric Jean-Baptiste pas mouri plante Éric Jean-Baptiste yo doit lever, pour arroser, pour continuer la bataille. Éric Jean-Baptiste a mené, côté le dit non à ingérence, non avec les Américains, non à la France, non à Canada. Je dis à Éric que nous reposons en paix, que sans tourner en grain à l'eau pour arroser le pays. Pour que le peuple a cherché, soit à demander à Benevine. Nous, par rapport à ce qu'on connaît qui est d'après cette particulière-là, et Madame Nalini, même si Sniper, vous cherchez ici, vous pouvez arriver avec Jean-Baptiste. Et comment sentir en tant que peuple haïtien, Jean-Baptiste, c'est Madame Nalini qui est arrivée, mettez une situation ça. Moi, je pense que c'est clamé public qui dit que tu as une participation, Madame Naladal. Nous appartenons la justice haïtienne. Prend responsabilité. N'a pas attendu des CPJ qui là, lui prend responsabilité. N'a pas attendu ça y a parlé. La haute cour de justice internationale statuelle sous les trois ambassadeurs qui gagnent dans le pays pour chercher qu'on est qui côté la mort Éric Jean-Baptiste sorti et laisse ça peuple là à arranger pour le bailler pour les questions. Pour qu'on qui est qui passe de voir dans le de Conville, donc qui dernier message passe de voir à vous et pour Jean-Baptiste. Dernier message m'a envoyé, c'est que me dit famille Éric Jean-Baptiste, condoléances. Famille Éric Jean-Baptiste, Kembe là. Famille Éric Jean-Baptiste, Kembe même flambeau. Éric t'a demandé justice pour les haïtiens. Éric Jean-Baptiste t'a demandé pour que la vie meilleure te baissé en d'abeya. Et c'est ça que nous dit. Éric Jean-Baptiste, non seulement t'a goumé pour bien la paix qui retourne en d'abeya, mais Éric, c'est le monde qui t'a créé travail par la population haïtienne. M'espérer que la famille Éric Jean-Baptiste après le continuer avec Eve. Éric Jean-Baptiste t'a fait en d'abeya pour permettre le monde qui était dans le chômage, pour permettre le monde qui est dans le travail, pas le rentrer dans la question du chômage. Est-ce que passe le bois pour la compagnie, bon paquet de passe politique, organisation de base, l'état politique, je dis après, il y a la droite directe, Juvenal, nous allons devant Caribe, devant. Jusqu'à présent, moi toujours dit, nous sommes cheval peuple. Si le peuple veut monter pour faire à droite, je vais quitter monter. Si vous voulez monter pour faire à gauche, je vais quitter monter. Si on m'a dit, yo d'accord, y a prend la ria pour demander justice pour Éric Jean-Baptiste, m'ka dans la ria avec yo parce que je dis à Éric Jean-Baptiste tombé, moi m'poko connaît qui complot qui gen sous dom pour yo jeter déjà comme nous connaît déjà gen complot sous dom déjà pour assassiner mon bon côté peuple là.
pas de route, pas de si le peuple a dit, il a porté cadavre là, remettre Bini, c'est normal pour m'accompagner, pour y aller déposer ce qu'il là devant Bini pour faire ça. Où dit-on que vous avez dit qu'il y a fait complot pour l'assassinat? Nous ne savons pas qui est-ce qui a fait complot? Je dis déjà, citoyens dans la commune de Pétionville, autorités dans la commune de Pétionville, et pas les citer normalement, pas les citer normalement là, pas citer normalement là pour pas dire c'est politique de venir faire l'entêtement. Mais là, on vient porter six pommes avec Éric Jean-Baptiste, on passe dans une autre conférence de presse, n'a retourner encore sur monde nous connaît que pays a connaît que la presse connaît droit de l'homme connaît qui gagne en tête pour assassiner même j'ai assassiné Jean-Denis dans la rue là. Nous attendons que la population haïtienne, la communauté Pétionville là, pour lever campé comme le secteur démocratique l'a dit. Mercredi après enterrement. Et Jean-Denis, moi m'espérer que la population Pétionville là, pour lever campé pour lui venir un dernier hommage aussi avec et Jean-Denis et pour tout dit, communauté internationale là. Camion, machine, insécurité. Cap créer des blousailles, cap brasser un monde en dans pays, nous pensons qu'on série de monde qui mourit là et monde ça est à supposer servi exemple pour que machine ça lit tout fermé porte pendant y a tout passé prend Ariel Henry pour y porter l'aller là. Retirez-vous nous non et continuez là et pour finir nous dans Ariel Henry était présent là qui sont cadre. Population a commencé par la vel et nous pensons d'apprêter comme il pas arrêté, c'est démagogie de venir faire là. Parce que je pense que ce n'est pas l'âne de Bézard Ariel Henry. Depuis l'Éric Mouria, nous devons attendre le Premier ministre Ariel Henry de facto à commencer à marrer les gens qui nous ont cité dans la mort Éric Jean-Baptiste. Laissez-moi la communauté à recevoir avec un pile enthousiasme. Mais puisque pas gagné, l'Éric est là, le peuple a commencé à crier Charles Barry.